depuis le commencement, on peut dire. Et tout ça là, c'est une simagrie, une vengeance politique qui peut faire. Pas aucune fraude, pas aucune bribery. Jamais on ne prend de bribe dans mon avis. Le représentant des pipi qui dit c'est gros fois il a mené pour prouver qu'il n'a pas Ramgoulam coupable. Je dis N par N peut montrer que tout ça là c'est vendetta politique. Mais il n'y a aucune vérité là-dedans. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que la police, il vient un instrument dans le gouvernement. Ça veut dire qu'on peut gagner l'autre à l'arrêter Ramgoulam. Arrêtez Ramgoulam. Pas guetter ce peine après, pas prêt. Arrêtez mettre dans prison. Si moi, je ne passe pas, je vais mettre 10 personnes mauriciennes, ordinaires, passent dans sa simila. Et aujourd'hui, si vous êtes un claque qui est là, garou sur une cause menti, aucune preuve pendant, une évidence depuis le commencement, vous avez pendant. Là, le 11 fois, il met pas besoin de charge contre moi. Ancien premier ministre qui travaille pour ce pays-là. Mais seulement besoin de détruire Ramgoulam parce que Ramgoulam qui peut bloquer le jeu de simila. Ce qui est malgré aussi, vous connaissez Maurice, c'est comme ça. Comme ça, permettez provision de charge, énorme de gens qui sont dans la foule là, qui peut croire cette manifestation là, qui dit Ramgoulam, ils sont allés. Voici Ramgoulam coupable, Ramgoulam, il fait ça. Aujourd'hui, un par un, la vérité peut éclater. Donc, 11 charges qu'ils mettaient, 8 rayés là. Et je fais connaître, je connais qui peut arriver, pas pour dire mon ancien premier ministre. Pérou fabrique évidence, peut fausse de gens dans la cause menti. Vous venez dire telles affaires, Ramgoulam, je m'en sors. Mais tout cela, la vérité peut éclater même ça. Mon confiance dans bon Dieu et mon confiance dans la justice mauricienne. Top TV, news as it happens.